Montre-moi le là. Encore? C'est mieux, on reprend. 3, 4. Transmis la passion de la musique classique, même si j'ai encore quelques progrès à faire. Pater omnipotens, glorifica nous te. Pater omnipotens, glorifica nous te. Pater omnipotens, glorifica nous te. Je suis parti loin de ma maison, très loin, au-delà des contrées. Ici, la mort est plus loin encore. J'ai cherché, et n'ai rien trouvé. Car j'ignorais que le trésor est en moi. Et c'est toi. Comme ça, Véronique, je suis tout à fait capable de faire deux choses à la fois. Il n'y a pas de problème. De toute façon, j'avais fini. De quoi on parlait déjà? Ah oui, du golf. Pourquoi est-ce que j'aime le golf? J'aime le golf pour trois raisons. La première, c'est que le golf, c'est un sport classe. La deuxième, c'est que ça me détend. Et la troisième, on dira ce qu'on veut, mais je suis plutôt bon. On n'a rien vu.
possible. Là, je la touche plus. Là, je commence à être chaud. Je vais regarder si... Quand même effacer un peu parce que j'ai... Chérie, t'as trouvé des balles. Encore une. Il y en a partout. Regarde tout ce que j'ai eu. C'est ça que je préfère dans le sport. Bonjour à tous, alors comme vous le savez, la grande passion de papa, c'est l'œnologie, une grande passion qui nous a transmise à travers les repas le dimanche midi ou même pendant la semaine. Donc pour s'intituler cette passion, je vais faire réaliser une dégustation à l'aveugle d'une bouteille. Marc sera mon assistant, il connaît les secrets de cette bouteille. Je sers d'abord Marc, un doigt, et moi-même, peuple au bord. Tout d'abord, pour estimer la robe, donc il y a à peu près l'année, nous allons, à l'aide du soleil et d'une feuille blanche et du verre tenu par le haut, estimer l'année 2003. Non, 2006. Bon, passons. Un vin plein d'arômes. Bon, poireau fou, Saint-Jacques. Poireau Saint-Jacques. Poireau Saint-Jacques. Oh non, moi je dirais pastèque, pastèque au meurtre. Passons. En tout cas, le cépage est un chardonnay. Ça, j'en veux le tréma. Sauvignon, passons. Bon, il a de la jambe. Hein. Il a de la cuisse. Hein. Même de l'autre jambe. Il est canaille. Dentelle. En jouet. Plutôt mâche. Beurré. Ah, c'est vœu. Rond. Je pencherai sur l'astringent. Rassé. Dépouillé. Moelleux. Madérisé. Velouté. Bourru. Gouléant. Noble. Soyeux. Léger. C'est un Bourgogne. Sauvignon. Flûte. Bon, passons. Je n'ai peut-être pas la science du vin que papa, mais cependant il m'a transmis la science de la physique et sa rigueur mathématique. Merci papa. Martial, je suis à la maison. Martial. Martial. Marc, qu'est-ce que tu fais dans la poubelle? Mais qu'est-ce que tu fais, Marc? Mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Louis, je t'entends sur le balcon, qu'est-ce que tu fais? Tu dois être ton père à faire ses géraniums, encore. Ou ses roses. Louis? Yeah. Ça va? Qu'est-ce que tu fais sur le balcon? Ah bah la vie est belle! Mais qu'est-ce que c'est? Bernard, je vais t'occuper de tes frères, qu'est-ce que tu fais encore? Laisse-moi là, je joue, ok? Il est où ton père? Dans la salle de bain.
Martial ! Martial ! Oui, mon amour. Allons à McDonald's. À McDonald's, c'est tout ce que t'as à dire ? Wagner. Ainsi parle Zarathoustra. Odyssée de l'espace. Et là, l'homme de Cro-Magnon, il jette son os, et l'os devient un satellite. L'évolution humaine. Papa, si tes passions comme le golf ou encore la montagne ont été le carburant de ta vie quelque part, ce n'est pas ce qui en a été le moteur. Le moteur sont les valeurs autour desquelles nous nous structurons, celles qui guident nos actions et nos choix dans la vie. Et il faut de grandes qualités pour parvenir à respecter ces grandes valeurs. La patience, tu as toujours su faire preuve de patience. Changer les couches des enfants, supporter tous ces cris, tous ces hurlements pendant des années et des années et des années. Et il t'en a fallu de la patience, parce que élever cette gosse, c'est quelque chose. Pour toi et aussi pour maman. Martial, l'ordinateur ne marche pas. Viens m'aider s'il te plaît. C'est toujours pas. Le dévouement. Tu as toujours su être dévoué dans tes actions auprès de l'Église catholique, auprès des équipes Notre-Dame, la préparation mariage ou encore toutes nos conduites scouts, nos conduites pour nos activités sportives. Tout ça, c'est... Et notre éducation, tout ça, a demandé beaucoup de dévouement. La preuve en image. Papa, on doit aller au scout. Papa, tu dois m'emmener à la boxe. Papa, tu dois m'emmener à la danse. Papa, tu dois m'emmener à la compétition de karaté. Martial, Internet ne marche pas. J'arrive!
Rebelle. Eh oui, un rebelle. On ne sait pas trop, mais... tu fais partie d'un syndicat, d'une organisation syndicale, la CFTC, avec laquelle tu as défendu les salariés et lutté contre les patrons voyous chez HP. Tu l'as fait avec beaucoup d'humanisme et conjointement avec d'autres syndicats, type CGT. Désolé, mais les gauchos, je les aime bien, mais quand je les vois pas, et quand je les entends pas. Des fois, je me demandais pourquoi mes frères, moi, aucune fille ne nous résiste. Et ben, c'est un peu grâce à toi. C'est grâce à ton charme, ton sens de la classe, et ta façon de draguer, qu'on est aussi bon. Il faut dire que... t'es un peu le meilleur danseur de rock de tous les temps. Et c'est peut-être pour ça que t'as eu maman. Parce que... j'imagine qu'elle a dû être un peu difficile. Salut. Bonjour. Comment tu t'appelles? Véronique. Qu'est-ce que tu fais ici, Véronique? Là, j'attends ma sœur, Sophie. Sophie, hein? C'est joli, Véronique, en tout cas, comme nom. Merci. Et en attendant ta sœur, ça te vient, hein, Rock? Allez. Elle